Allez, c'est bon. Donc là, je suis avec le micro, mais je vais passer sous un autre format pour que vous puissiez voir tout ce qui se passe. Ok, les gars. Allez, je vais me faire un petit live. En même temps, comme ça, je vous montrerai. Allez, je me mets sur autre chose, je vais mettre le micro là. Voilà, donc là, le micro. Ah, ben si, il y a le micro. Ah, j'ai le micro. On voit le micro, les gars. C'est pas beau? C'est excellent. Excellent, excellent, excellent. Excellent. Donc première image. Donc j'ai une image ici. Donc j'ai une image du complet. On voit bien le truc. Le deuxième, je vois pas ce qu'on voit. C'est ici. C'est mon pied. Donc là, il va pas y avoir grand-chose à voir là-dessus, finalement, à part mon pied. Ouais, j'ai mon pied, ma chaussette. Sinon, voilà quoi. Sinon, c'est bon. Bon, quelle heure est-il là? J'avais dit 21h. Full gaz. Je vais aller chercher mes notes. J'ai des notes sur. J'ai des notes que je me suis prises. On va chercher les notes. Je me suis cherché des notes, les gars. Salut Thiebgo. Hop là. Est-ce que tu m'entends bien? J'ai mis mon casque de. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, salut Maxime. Vous m'entendez? Ouais, tu m'entends, Maxime? Donc ça c'est le cuissard que je disais là, à 150 balles. Tu vois. Tu m'entends? Son nickel? Ok. T'as vu, ça c'est le cuissard. Et je sais pas si tu vois bien. Il y a écrit Club FFZ là. Tu vois, j'ai fait ça. J'ai fait ça, je me suis fait, donc c'est évident, c'est 150 balles. Donc là, tu vois, et derrière, il est comme ça, tu vois, FFZ. Et derrière, j'ai mis un truc Alexis machin, tu vois. Je vous montre mon beignet là. Hey. Donc voilà, 154 euros sur mesure. Bon, voilà, c'est pas. Évidemment, c'est une autre qualité que ce que l'on peut avoir moins cher. C'est de la sauce, mais. Mais bon, voilà, c'est vrai que le tissu est vraiment très bien. Après, voilà, c'est cher quand même, les gars. Bon, allez, je me suis fait des petites notes. Oups, je perds la tête. Je perds l'équilibre. Donc, j'ai fait quelques petites notes sur le Van Riesel, les amis. Donc, Van Riesel, c'est quoi? C'est un home trainer. Donc, je l'ai acheté 450 balles. Je l'ai acheté 450 balles. Ouais, 450 balles. Les caractéristiques, ben, vous allez sur. Sur internet, vous allez voir. Hein. Bon, on voit bien là derrière, je crois. Alexis FFZ. Avec l'étiquette, j'ai pas encore enlevé l'étiquette. Avec le drapeau français. Vous avez vu là? J'ai mis un drapeau français pour les cyclos. Parce que je vais utiliser ce cuissard pour les cyclos. Vous voyez? Le truc. Donc voilà quoi. Donc le truc, c'est très simple. C'est que, en fait.
Donc qui vaut 450 balles, rendu livré par Decathlon. Donc on va le chercher au magasin. Et les caractéristiques de cet home trainer, bah, elles m'ont séduite, hein, parce que c'est outre le prix 450 balles, donc c'est hyper accessible pour tout le monde. Mais on a quand même du 10%, du 12% de ressenti. Donc demain, je vais faire déjà des essais, puisque l'autre, le câble, je ne serai pas sur rouleau. Et on va jusqu'à 1500 watts. Et 1500 watts, vu ce que je suis moi, 1500 watts, c'est largement suffisant. Donc on va le défaire, on va voir un petit peu ce que c'est. Et j'ai fait quelques notes sur d'autres home trainers. Et vous allez voir mes arguments. Quand je vois ce qui se passe là, c'est pas jojo quand même, hein, par rapport aux autres. Enfin, je veux dire, Van Riesel, c'est vraiment au-dessus, largement au-dessus des autres. Hein. Ouais, ça vaut. Les autres ne valent pas le prix en fait. Hein. Il y a un truc là. Il y a un truc, il y a un truc. Donc on va chiffrer ensemble et vous verrez. Allez, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai pas encore ouvert. Hein. Donc le cousteau, voilà. Donc on voit bien, je pense, full gaz. Dans le carton, très important, savoir le carton en fait. Quand vous recevez un carton de chez Kirk, enfin de chez Wahoo, ou par exemple de chez par exemple, si vous avez des questions, posez-les moi, je les vois sur l'écran là. Quand vous allez par exemple sur quand vous recevez un Kirk ou un Wahoo, un One Elite par exemple, et bien en fait le carton il est super beau. C'est-à-dire que vous avez un carton 4 couleurs, etc. Or sachez que un carton 4 couleurs. Ben vous le payez. Hein, quand vous payez votre home trainer, ça déjà, premier poste de paiement, vous payez. Donc vous payez à peu près 50 euros un carton. Je vous garantis que ça coûte entre 45 et 62 euros exactement un carton sérigraphié. Alors que Van Riesel, Decathlon, eux, pour ne pas vous faire payer le carton, ils prennent un carton. Alors c'est pas un carton bas de gamme, c'est pas du tout ça. Par contre, c'est un carton vraiment de conditionnement industriel. Et ça vaut rien du tout. Ça vaut pas plus de 10 euros. Voyez, donc déjà on économise à peu près entre 30 et 40 euros sur un home trainer uniquement par ce que l'on appelle l'emballage, le conditionnement. Et ça c'est important, le conditionnement. Donc déjà, ces 40 balles qui coûtent, que vous n'avez pas payé, on va certainement les retrouver sur la qualité du produit. Ok, allez, on coupe. Je vais voir un petit peu ce qu'il y a dedans, parce que demain je suis quand même obligé de l'utiliser, puisque mon vélo à câble, enfin mon vélo, j'ai cassé le câble de derrière, encore une fois. Donc ben, je peux pas faire de rouleau. Ok, le rouleau est là. Je sais pas si vous le voyez. Non, vous le voyez pas, le rouleau. Il est pliable, le Nero. Le Van Riesel, je vais quand même l'utiliser demain, après-demain, etc., etc. Pendant 2-3 jours, je vais bien le tester sur les pourcentages. Et à mon avis, c'est là où justement on va vraiment voir si ce qu'il a dans le crâne, vous voyez. Alors, allez, je sais pas comment ça s'ouvre le truc. Ouais, on va essayer de l'ouvrir proprement. Je vois les trucs qui sont là. Ok, j'ai un couteau qui te coupe. Voilà, ça devrait être bon. Ouais, ça coupe bien. Voilà. Dans le carton, je vous rappelle, les gars, on ne paye pas un carton. C'est bien, je suis content. Dans les 450 balles. Ok, donc on ouvre. Est-ce que vous allez pouvoir voir à l'intérieur? Je vais vous le montrer en décalage. Quand on ouvre, qu'est-ce qu'on a? On a le bourrin qui est comme ça. Est-ce qu'on le voit bien? Ouais, vous voyez bien. C'est super. La caméra GoPro, là, elle fait son taf. Voilà, là j'avais appuyé sur un petit bouton, super. Ouais, je vous disais donc en fait, l'emballage vraiment très très simple, économie. Waouh, la courroie, énorme. Waouh, elle est même plus grosse que, tu vois Maxime, je t'ai envoyé, ouais, ben, elle est pratiquement, je dirais qu'elle est légèrement plus grosse que le. Eh, je m'attendais pas à ça, les amis là. Waouh. Oula, effectivement, c'est un produit qui va être même encore plus. Oula, j'ai vraiment de très bonnes impressions. Ouais. Alors je vous rappelle une chose, c'est que je ne suis pas du tout payé par Van Riesel. Je les connais pas. Ils me donnent 0 euros. Ils me connaîtront jamais d'ailleurs, ça c'est clair. Donc je fais ça uniquement bénévolement pour nous, pour que je puisse vous montrer que des fois on paye des trucs qui valent trop cher et qu'on se fait souvent avoir. Et si je peux, alors ah ouais, pas mal. Regardez ce qu'on a. Donc qu'est-ce qu'on a? Évidemment, on a le truc là. Donc moi c'est le D500. Vous avez le D500.
et vous avez le D900. Et vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre. Je vais mettre les autres lunettes pour lire parce qu'on vieillit, les gars, et on n'arrive plus du tout à lire. Ok, voilà, là je vois mieux. D500, donc j'ai pris le D500 à 450 balles. Pourquoi? Eh bien, en fait, le D500 à 450 balles, regardez sur Decathlon, donc il va jusqu'à 12% et jusqu'à 1500 watts. Alors que le 900, pour 150 euros de plus, vous avez 2000 euros, 2000 watts, donc il va jusqu'à 2000 watts et jusqu'à 20%. Or, 20%, déjà, un, j'en ai rien à foutre parce que 20%, bah, c'est trop. On va pas y arriver à 20%, c'est pas possible. Ou alors sur 2-3 mètres sur Zwift, et encore, c'est rare. Je crois que j'ai pas encore vu du 20% sur Zwift. Hein. Les 2000 watts, excusez-moi les gars, mais déjà 1500 watts, je les fais pas, donc je vais pas payer 150 balles un truc. Alors que je fais même pas 1500 watts, je vais pas payer un truc pour aller jusqu'à 2000 watts. Bon, le manuel impeccable, c'est clair, c'est propre, c'est grand, c'est gros. C'est en français, c'est en plusieurs langues. Van Driesel, voilà le truc classique. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dedans? Ils nous ont mis un petit truc à scanner, One Lap. Ah ouais, vous connaissez ça, One Lap? Alors, c'est une application, les amis, incroyable. Donc, ils font de la publicité pour One Lap. Alors, One Lap, c'est quoi, One Lap? Eh bien, One Lap, c'est une application chinoise. Ouais, qui est pas dégueulasse, elle est pas mal, et il nous propose un bon. Donc là, Get, machin, c'est que de l'anglais évidemment. C'est une plateforme, d'accord, patati, ça aussi c'est l'avenir. Connectez-vous, faites One Lap, et essayez cette application, vous verrez, elle est pas mal. Je l'ai déjà essayé, elle est vraiment pas mal. Donc il y a un gen code là, un scan code, un QR code, pardon, pour avoir très certainement un abonnement ou quelque chose, je ne sais pas. Bref, peu importe. Allez, on enlève. Première boîte, je regarde, j'oublie rien quand même. Première boîte, il y a du scotch. Ouais, donc ça c'est du carton. On vire. Ah, il va falloir que je visse les trucs, les gars. Ah, la mécanique. C'est une horreur. Je sais pas visser les choses. Bon, j'irai chercher vite fait quelque chose, hein. Mais je suis pas un fan de la mécanique. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez bien là? Est-ce que je regarde si on voit bien? Ouais, on voit bien. On voit bien le truc. Ouais, si je plante l'homme trainer dans le truc, ah, faut pas déconner. Donc là, c'est les tubes. Waouh! Alors, je vous explique. J'ai déjà eu des élites. C'était du plastoc pour moi. Je payais du plastoc. J'étais un petit peu contrarié. Et là, en fait, déjà un tube comme ça. Putain, c'est du mastoc, les gars. C'est du solide. Ouais, ça me fait penser à du Wahoo, ça. Ah ouais, qualité identique au Wahoo. Alors j'ai un Wahoo évidemment, hein. Donc j'ai eu deux Wahoo, j'en ai eu deux Wahoo, j'en ai refilé un et j'en ai redonné un deuxième à notre ami Max. Ouais, bonne qualité ça, impeccable. Donc ça, soit être le, finalement ça c'est, c'est large, hein. Ch'toum. Ça me fait penser au Wahoo, ça. Allez, hop. On va mettre ça. Ensuite, on enlève le deuxième. C'est le bordel, les gars, ici. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une boîte blanche. Bon, c'est bien emballé, hein, franchement, honnêtement. Bon, ouais, voilà quoi. Et si on peut regarder dedans, c'est bien mis. Voilà, il n'y a pas de mousse polyéthane. Donc, sachez que la mousse polyéthane, c'est hyper cher. Là aussi, ça fait partie du conditionnement que l'on paye dans les autres marques pour rien du tout. À décharge, quand j'ai reçu mon Hero de chez Elite, le conditionnement Elite était identique à celui-ci, c'est-à-dire c'était que du carton. Donc là aussi, économie de packaging, parce que finalement, au bout de la chaîne, vous, consommateurs, vous le payez le packaging. Hein. Ok, on le paye. Hein. Donc voilà quoi. Il faut penser à ça aussi. Hein. Quand on reçoit des jolis cartons quatre couleurs, c'est pas le voisin qui le paye, c'est vous. Allez, on a les câbles. Alors j'ai plusieurs câbles. Bon, ça c'est les câbles américains, je sais pas trop quoi. Donc c'est un home trainer que l'on qui vont pouvoir vendre dans des pays étrangers avec du 110 volts. Ça c'est du 110. J'en veux pas. Ça c'est pareil, c'est bon, c'est du 110, hein, triphasé mais en 110. Alors ça n'existe pas de dire triphasé en 110. En 110 évidemment, je le sais. Mais disons que là c'est du 110. Et nous, ce qui va nous. Alors ça, c'est du combien ça? C'est américain, ça. Je crois que c'est américain. C'est du combien ça? 200, non, du 100, du 13 ampères. Je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est plusieurs câbles. Ça ne nous intéresse pas. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est le 220, évidemment. C'est celui-ci. Donc, un câble ici. Boîtier. Hop, ça, je le jette. Et le voilà l'adaptateur qui est basique, qui est comme tout le monde. On va regarder où c'est fabriqué, vite fait. Made in China. Ah ouais, Made in China. Bah, de toute façon, on sait très bien que tout est fabriqué là-bas, les gars.
À 100%. Même les médicaments, imaginez un petit peu le truc. Ouais, donc rien d'exceptionnel. Bon, voilà, ça vient de Chine, comme les autres d'ailleurs. Hein. Ok, et là, on a le bourrin. Allez, je vais enlever tout ça. Encore des cartons. Encore des cartons. Vous voyez, ça coûte rien, ça. Des cartons comme ça coûte rien. Vous le payez pas. Vous le payez pas. On paye pas l'emballage. C'est pas beau. Ah, un truc. Alors là, un autre sachet. Ah, ça, c'est les clous, ça. À tous les coups, c'est les vis. Bien empaqueté, voilà, le truc classique. J'essaie de rien couper. Imaginez que si je coupe la courroie. Si vous avez des questions, allez-y les gars. Ouais, le dedans, ça a pas l'air de bouger et ça ne bougera pas. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ah oui. Petit boîtier avec tout l'ustensile pour visser. Regardez comment c'est fait. Alors si. Ah ben, vous voyez, je peux même le monter avec vous. Et celui qui est comme moi, qui n'a pas d'outils ou quoi que ce soit, eh ben, on a tout le nécessaire comme chez Ikea. Pour monter soi-même son home trainer. Alors, les autres marques, je ne me rappelle plus du tout si on avait ça. Donc, on a évidemment les adaptateurs suivant le vélo et le cadre que l'on a. Donc, là, on va pouvoir mettre plusieurs types de cadres. Moi, j'ai un cadre alu, un truc très simple. Hein, voilà. Donc, pas de problème, ça roule. Il y a autre chose dedans. Je crois que j'ai vu encore autre chose. Ouais. Il y a encore autre chose. Petit sachet. Petit sachet, c'est quoi ça? Ah, j'ai des boulons là. Des petits boulons. Alors, à quoi ça sert tout à l'heure? Alors, je suis pas très fort en. Je suis pas très fort en mécanique ou quoi que ce soit. Petit boulon avec une petite rondelle. Hop, on jette tout ça. Je sais, on verra à quoi ça sert. Il y a autre chose encore? Ouais, il y a encore. Il y a encore. On déchire le bonheur. En tout cas, l'emballage, nickel. Et le bourrin, je le vois là, le bourrin. Eh ben purée, ça me fait penser au waouh, les gars. Waouh, comme je dirais. Et le deuxième boulon, voilà, qui va très certainement être fait pour visser, donc ça va être hyper facile à visser. Ah oui, non, on n'a même pas ça. Ah oui, regardez ce que l'on a. En fait, ce sont des, vous savez, les ce qui permet de caler les cassettes. Souvent, on a des cassettes, c'est ce qui permet de mettre du 10 ou du 11 vitesses. Moi, je suis en 10 vitesses, ça me suffit largement. Voilà, donc ça, c'est pour mettre la cassette que j'ai d'ailleurs, une cassette 10 vitesses. Impeccable. Donc, ça, c'est le petit cerceau, comment on appelle ça? Vous avez ça? Il y a, chez Waouh, il n'y a pas ça? Ouais. Ouais, je crois pas. Hein. Pourtant, ouais. Moi j'ai eu Waouh, hein, j'ai eu deux fois Waouh. Franchement, par contre, le bourrin, il est énorme. Franchement, il est costaud. On voit même. Ah, ça, on voit même. La cassette. Non, il n'y a pas de cassette. Hein. Alors, dedans, il n'y a pas de cassette, il n'y a pas de clé ANT. Alors c'est vrai que Wahoo non plus, j'avais pas de clé ANT dessus. La clé ANT en fait, quel que soit le fabricant, dites-moi si j'ai raison ou pas, mais je ne me rappelle pas d'avoir reçu une clé ANT. J'ai reçu une clé ANT quand j'ai reçu mon home trainer en 2017, mon premier home trainer. Il y avait une clé ANT de chez Elite. Et je sais pas quel home trainer j'avais à l'époque. Allez, on va sortir le truc. Waouh! Alors là les gars, je vais vous dire un truc. Et ils sont allés même jusqu'à mettre de la mousse à la poignée. Ah, c'est dingue. Vous voyez, regardez. Voyez la poignée là? Est-ce que vous la voyez bien? La poignée. Ouais, vous la voyez bien. Voyez la poignée là? Alors Kirk, moi j'ai un Wahoo, Kicker. La poignée, elle est dure. C'est du dur. Vous savez ce qu'ils ont mis là? C'est de la mousse. C'est, vous savez? C'est vachement agréable à prendre comme ça. Tac. Hey, ils sont même arrivés à... Et la finition, franchement. J'ai l'impression d'avoir un Wahoo. Ah ouais, j'ai l'impression d'avoir un Wahoo. Allez, je le sors. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a ça. Alors, ça, c'est le petit Van Riesel, voilà. Vous savez où on met la roue à l'avant? Bon, j'en aurais déjà plein. J'en ai plein de trucs comme ça. Je les vire, je les mets à la poubelle. Mais celui-là, je vais le garder. C'est joli, Van Riesel en plus. Donc, on garde. Eh, les gars, 450 balles. Eh, je m'en doutais. Je m'en doutais. Je crois que les autres, ils vont pouvoir aller se rhabiller là. Hyper léger. Alors là, ça par contre, ça me plaît. Moi qui ai des petits bras. Bon, bah écoutez, le carton bah, à la poubelle. Hein. Voilà, le truc classique. Je rangerai tout à l'heure. On va essayer de rien machiner. Voilà. Bah, le bourrin, franchement. Alors, et c'est vrai que sur les photos, je pensais qu'il était moche à chier. Pour ne pas vous cacher. Je me disais, c'est quoi ce truc? Ben non, il est vraiment pas du tout. Et il est super léger. Oh! Eh, hey, c'est super léger, vous avez la mousse ici. Eh, hey, voilà comment il est. Hey, de la mousse. Comme le Wahoo. Ça, j'enlève.
On l'entend là? Impeccable. Franchement, en fait, je crois que là, on a quand même un truc. On a un super produit. Ouais. Franchement, la finition, elle est classe. Hein. Hey, honnêtement, je pensais vraiment que c'était un design nul quand j'ai vu les photos. Mais là, le design, il est magnifique. On dirait, vous savez, on dirait un. Ah non, je suis vraiment surpris. Je pensais pas qu'il soit aussi beau. Ah ouais, je pensais pas qu'il était. Ah ouais, et la finition, les gars? Ah non, non, sans rire, excellent, quoi. Waouh! Honnêtement, je crois que là, ils vont les exploser, les autres. Hein. On dirait une tour moderne, tu sais, d'ordinateur et tout. Là, on a le truc ANT. ANT, les petits voyants qui vont s'allumer. De l'autre côté, bon, ben. Comme de l'autre, comme là. Alors, évidemment, il y a un peu de poussière, hein, c'est de la poussière. Hein. Par contre, il est pareillé. Alors, ils n'ont pas mis de plastique, tiens, dessus. Là, ici. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Moi, je suis pas. De toute façon, je suis pas. Voilà. De l'air ici. De l'air. Ah, il y a un truc comme ça. C'est quoi ça? Non, faut peut-être pas l'enlever, je sais pas. Je sais pas. Ça s'enlève, ça? Non, c'est un truc pour faire joli. Bon, de toute façon, après, on s'en fiche. Le joli. L'air qui passe par là, quand ça va tourner. Ben, on dirait un waouh, hein, les gars. Je suis désolé, mais on dirait un waouh. Hein. Ouais, on dirait vraiment un waouh. Et au niveau bruit, demain je ferai un test. Je mettrai un. Demain, on verra le bruit qu'il fait. Il fait pas de bruit, hein. Un waouh, quand on fait ça, on entend un petit peu. Mais bon, il faut pédaler hein, pour voir si ça fait vraiment du bruit. Ouais. Donc là, c'est quand même du solide. Ah, par contre, un petit problème. Mais ça, je crois que. Ouais, attention. Ouais. Ah. Ah, je crois que c'est. Est-ce que c'est fait exprès? Ah, allez, on va aller regarder. Je sais pas si vous pouvez voir. Non, on va faire comme ça. Allez, on va voir. Est-ce que vous voyez là? Ici? Là? Vous voyez là? Ah, c'est cassé. Là, c'est cassé tout ça. Vous voyez? Tout ça, c'est cassé. C'est des trucs d'aération cassés durant le transport. Ouais, regardez. C'est cassé. Ouais. Bon, c'est juste, c'est pas grand-chose. Hein. Après, ce qui me dérange, c'est que si c'est cassé, on va aller voir à l'intérieur. Et si c'est cassé et que les morceaux sont à l'intérieur, quand je vais pédaler, je regarde si j'ai une lampe là, là-dessus. On va voir à travers, éventuellement. Attendez, j'essaie de voir si j'ai une lampe. On a une lampe théoriquement, non? Je devrais avoir une lampe. Bon, c'est cassé dans le transport. Bon, ça peut arriver. Hein. C'est. Voilà. C'est pas très grave. Moi, je vous avoue, moi, je m'en fiche totalement. Ouais, il a reçu un petit coup là, quelque chose. Ouais. Ben voilà. Bon. C'est pas moi. Hein. Vous avez vu, j'ai ouvert. C'est pas moi. Voilà. Maintenant. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Maintenant, bon, je verrai ça demain. Faut pas que le plastique aille dedans. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, là, regardez. La poignée, elle est vraiment. Nickel, pour changer la courroie, je pense que ça va pas être compliqué. Je vais essayer de trouver une lumière quand même là-dessus. Bougez pas. Bon, si vous avez des questions, l'entretoise. Ah voilà, ça s'appelle l'entretoise, ça. L'entretoise, voilà, une entretoise, ici. Voilà, que l'on mettra. Hop, et il est vachement léger. Et honnêtement, et super cool. Très très léger. Voilà, l'entretoise. Voilà. Merci Maxime. Et. La déco? Quelle déco? La déco, la déco. Non, j'essaie de voir si j'ai pas une lampe pour vous montrer un petit truc là. Attends, j'y connais rien dans ces portables là. Google, non, pas Google. Qu'est-ce que c'est, non? Photo, machin. Je sais pas si ou, comment on trouve une lampe sur son portable. S'il y a une lampe sur le portable, est-ce que ça existe ça? Je sais pas si j'ai pas l'impression que j'ai une lampe là-dessus. Pourtant, il me semble que je l'avais vue. Bon, on va pas perdre de temps là-dessus. Mais bon. Menu du haut. Menu du haut, ouais, je regarde. En fait, j'entends rien dans les téléphones. T'as très bien compris que j'entendais rien du tout. Et après, on va parler sérieux, vous allez voir. Outils, ah, outils. Outils boussole, non, météo, ajouter, miroir, radio, boussole. Boussole, ça va pas. Ajouter. Ajoute. Ah oui, j'ai ajouté. Ajouter, Chrome, message, horloge, ça s'appelle comment? Lumière peut-être, Campa,
Authentique, machin. Pff, ouais, bon, allez, laisse tomber. Ça me gonfle. J'y connais rien. Bon, en tout cas, premier avis comme ça. Eh bien, il est magnifique. Il est exceptionnel. Il est vraiment très très bon. La courroie, c'est une espèce de truc. Je regarde si elle est crantée ou elle est lisse. Je sais pas si on la voit. Ouais, on la voit, elle est lisse. Elle est striée en fait, hein, dans le long. Ok. Donc le truc, le bourrin, c'est simple, hein. Le bourrin, il faudrait que je le mette comme ça, je pense. Voilà, et ça doit se visser comme ça, c'est ça? Ouais, mais ça se visse comme ça. Voilà le truc. Avec ce genre de truc, je pense. C'est comme ça que ça doit marcher. J'y connais pas grand-chose. Je sais pas comment, si c'est comme ça qu'on marche. En tout cas, il est super léger. Il est vraiment léger, le gars. Croyez que c'est comme ça qu'on fait? Avec une rondelle? Ah ouais, c'est comme ça, je crois. Bon, je suis pas très bon en mécanique et en visserie, moi. C'est pas mon truc. En plus, j'ai horreur de ça, de visser. Mais ah non, c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être l'inverse. J'ai l'impression que c'est l'inverse. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'on doit visser. Hein? C'est comme ça? Ouais, c'est comme ça. Voilà. En fait, c'est comme ça. Et là, ça va épouser le bordel. Bon, ça marche. C'est simple. Donc, comme chez Ikea, on a les outils pour visser. On a tout ce qu'il faut. Donc, en 2 secondes, c'est fait. La mise en place, elle est hyper facile. Je pense que c'est comme ça que ça doit se visser. Ouais, bonsoir, je verrai ça demain, les gars. Hein, je le ferai tranquillement. On va pas perdre de temps là-dessus. Donc, j'en ai un là. Je vais en mettre un deuxième ici. Comme ça, c'est fait. Les pieds se règlent. Donc, top. Devant, derrière, les 4 pieds se règlent. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais franchement, je suis vraiment étonné du matos. Hein, 450 balles. Bon, on va parler sérieux après. Vous allez voir mes arguments. Et j'ai fait une petite liste par rapport à ce que les autres proposent pour voir un petit peu ce que l'on peut en tirer comme conclusion. Mais à mon avis, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas mieux sur le marché. Et que cet entraîneur-là, d'un prix de 450 balles, il vaut largement un autre de 700 à 800 euros. Et vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Je vise deux trucs, histoire de bien. Voilà, hein, c'est bon comme ça. Voilà. Et puis c'est du solide, hein. J'aime bien les bras comme ça en alu. Bon, vous le voyez, on le voit bien. Allez. Bon, allez, on va parler un petit peu concret. Chez Wahoo, il n'y a pas ça chez Wahoo. Pas de cassette incluse. Alors non, pas de cassette incluse. Non, non. Alors une cassette, ça vaut 10 euros, hein, les gars. Donc voilà quoi. D'un côté, quand les gars ils vous font payer des cartons en 4 couleurs de votre poche, aux alentours de 45, allez, entre 45 et 60 euros, ça dépend les fournisseurs, vous payez de votre poche, quand vous achetez un home trainer, vous recevez dans un joli carton de 4 couleurs, vous payez entre 45 et 60 euros. Là, je vous dis, il y en a pour 5 euros, maximum 10 euros, et encore, il ne doit pas être à 10 euros. À mon avis, ils sont aux alentours de 5 euros. Donc ça, c'est important. Non, dedans, il y a le câble, il y a le convertisseur, il y a tout ce qu'il faut, c'est très facile en plus comme produit à avoir. Donc au niveau du coût, eh bien forcément vous êtes sur un produit qui est super intéressant. Je vous explique, vous allez voir. Maintenant, si on rentre dans les détails, parce qu'on va passer 15 ans à l'admirer et à se branler dessus. Hein. Non. Vous êtes prêts? Non, en fait, il n'est pas moche. Moi, je pensais qu'il était moche. Je vous avoue, hein, quand je l'ai vu sur Internet. Je me suis dit, le bourrin, il est moche, il ressemble à rien. Mais je sais pas en fait ce que j'ai eu comme, je sais pas ce que j'ai eu comme, comme image. Hein, mais ça avait pas l'air d'être un truc comme ça. Ça avait l'air d'être plus un home trainer gris, je sais pas trop quoi. Donc Van Rysse, ils en font deux. Hein, je répète, à 450, 600. Donc moi j'ai pris à 450, 1500 watts. 1500 watts et simulation de pente 12%. Demain, j'essaierai de voir un petit peu ce que ça donne, 12%. Vous avez une courroie, elle est super large. Franchement, elle fait facilement presque 2 cm. C'est énorme. C'est énorme. Même Wahoo, il n'est pas aussi large. Et ça me fait penser au Wahoo, hein, ce truc-là. Donc, on a un produit 450 balles rendu livré. Alors, premier point. Moi, j'ai regardé un petit peu sur Internet. Celui qui se rapprocherait le plus dessus, c'est celui de Zwift, l'Hub, qui est à 499 euros, 1800 watts en puissance, et ça va jusqu'à 16%. Précision 2,5%. Ouais, celui-ci est précis à 2%. Mais là aussi, on va parler de quelque chose aussi intéressant. D'intéressant, c'est que 2% par rapport à quoi? Quelles sont les normes?
Quand vous allez faire votre plein, vous voyez, vous prenez le pistolet, vous avez une petite sur le, comment appelle-t-on ça, sur le, sur votre écran, vous avez une petite étiquette verte. Ça, c'est l'État qui demande aux pompistes d'avoir toujours cette étiquette qui doit changer chaque année. De même, quand vous allez chez votre commerçant, votre charcutier ou qui vous voulez, ou fraise les fruits et légumes, quand il pèse sur sa balance, la balance, elle a forcément une approbation sur son étalonnage, sur la véracité de son poids, de ses valeurs. Or là, on n'a rien qui nous dit quelles sont les véracités de ces pourcentages. Il n'y a pas de contrôle d'État, il n'y a aucun contrôle. Chacun donne sa sauce. Mais au final, 1% par rapport à quoi? Lui, il est à 2%, mais 2% par rapport à quoi? Dernièrement, on a bien vu donc Maxime qui a un Taxlux, il fait pratiquement les mêmes watts qu'avec le 1 Wahoo et pratiquement les mêmes watts aussi qu'avec les Asioma. Donc, et on n'a pas ces 2 voire 3% de différence que le constructeur dit. Voyez, donc ça veut absolument rien dire les pourcentages. Donc, ce que je vais faire demain, je vais regarder ça par rapport à mes Asioma, voir la différence par rapport aux watts et par rapport à ce pourcentage vraiment. Donc grosso modo, je ne veux pas trop rentrer dans les détails sur les pourcentages, mais bref. Donc le hub fait 2,5% de précision, il est à 2,5. Toujours pareil, précision par rapport à quoi, on ne sait pas. Ensuite, j'en ai trouvé un autre. J'ai trouvé le Flux Smart. Le Flux Smart de chez Elite. Donc il fait 1500 watts, comme celui-ci. Il va jusqu'à 10%, donc un peu moins de celui-ci. Il est à 3% de, qu'on appelle ça, de précision, alors que celui-ci est à 2, on va dire, hein, on va rester dans ces normes-là. Et par contre, il est à 699 euros contre 450 euros. Vous imaginez? Ça fait combien? Ça fait 250 euros de différence. Vous avez 250 euros de différence. C'est énorme. 250 euros de différence. Après, si on regarde un petit peu plus, on a le Taxflux aussi, l'autre, le modèle, le 2, donc qui est à 800 euros, il va jusqu'à 2000 watts et il monte jusqu'à 16%. Or, Decathlon, Van Riesel, vous propose pour 600 euros, soit 200 euros de moins que le Flux, les mêmes valeurs, même au-delà, elles sont plus intéressantes chez Van Riesel puisqu'ils montent à 20% et ils vont à 2000 watts aussi, mais pour un prix de 600 euros, alors que eux c'est 799, soit 800 euros. Après, si on compare par rapport à la qualité du produit, moi j'ai eu des élites, pour moi c'est du plastoc, hein, j'ai eu du XR2, du Flux, j'ai tout eu, hein, du Suito, du machin, etc. J'ai jamais été très content du truc. Alors là, c'était, on était avec les taxes, hein, par contre, c'était taxes, je parlais du Flux, c'est taxes, hein, voilà. Mais on a aussi, oui, élite, Justo. Alors Justo, ouais, 749 euros, 1%, et eux par contre ils donnent pas les watts. On a le Suito, 15%, 1900 watts, à promotion 579 euros. Ouais, 629 euros. 2,5 de précision. Celui-ci concurrencerait peut-être celui de Van Riesel à 600 euros. Mais Van Riesel est à 20%, lui est à 15%. Et après, on a le Directo XR, le plus vendu actuellement. Je ne vais pas parler du Tax Neo parce que le Tax Neo, c'est hors catégorie. Le Tax Neo ou le Kicker, waouh, ils sont hors catégorie parce qu'ils montent un peu plus en watts. Ils font 2000 watts, et ils sont à 1300 euros. Et ben on va les, moi je vais les bannir parce que il n'y a pas besoin d'acheter ce genre d'entraîneur. Voilà. À partir de maintenant, je bannis les kickers, style V6, V5, ce que vous voulez, et les élites, les smart, non, les taxes néo. Ça ne m'intéresse plus parce qu'on arrive à trouver des produits maintenant quasiment identiques sur les mêmes watts. Et ça, on ne peut pas dire le contraire, puisqu'on a fait des tests et on a vu que c'était exactement la même chose. Donc voilà. Vous prenez des pédales Asioma sur un Suito, vous aurez les mêmes valeurs qu'un Neo. Donc ça sert absolument à rien. Si ce n'est le ressenti, peut-être un petit peu différent. Forcément, une fluidité que vous n'aurez pas ailleurs. Mais bon, à vous de voir après. Après, ces deux produits, c'est quand même des produits Rolls. On va les mettre à part. Mais moi, on va parler plutôt de ce produit-là. Mais donc à 450 balles, j'ai trouvé aucun équivalent. Et pourquoi les autres sont plus chers? Eh bien, en fait, c'est très simple, c'est la chaîne où chacun prend son pourcentage, prend sa commission. Quand vous avez Decathlon, vous avez un fabricant et vous avez Decathlon. Et son réseau de distribution ne coûte rien. Parce que quand Decathlon fait fabriquer et distribue dans tous ses magasins, la distribution, ça ne se fait pas home trainer par home trainer, ça se fait distribution avec d'autres articles. Donc le réseau, le maillage,
la distribution, elle ne coûte rien. Donc intégrer un produit de chez Van Driesel de qualité, le réintégrer dedans, et eh bien en fait, ils peuvent justement, ils vont racler, absorber ce coût de distribution pour justement le transcrire, le transformer en qualité du produit. Et c'est pour ça que vous avez un produit supérieur en qualité et moins cher. Parce que ce qu'ils vous font gagner d'un côté dans leur réseau de distribution, eh bien en fait, vous bénéficiez sur la qualité du produit. Alors qu'ailleurs, par exemple, moi j'ai vendu des XR2, des Tax Neo, enfin bref, il y avait le fabricant, tout comme eux. Il y avait secondo après l'importateur, enfin le négociateur, le grossiste, le magasin, le commercial et moi. Donc imaginez, il y avait à peu près plus de 5 postes de vente, 5 postes où on rassemble, où on gratte, où on absorbe chacun sa commission. Alors que là, vous avez à peine au maximum 3 postes, on va dire. Allez, 2 postes, 2, 3 postes. Donc avec des marges vraiment très serrées. Et justement, un coût matière qui est vraiment bien étudié parce que, comme je vous disais, le carton il coûte quand même beaucoup moins cher. Donc on peut considérer que le reste, ils vont là aussi aller chercher au moindre prix. Donc au final, grâce à cette technique de gestion, ils arrivent à séquencer les fonds, ces postes de travail, et ces postes de travail qui ont un coût, eh bien ils arrivent à sublimer ces postes de travail pour justement sortir un produit largement de meilleure qualité avec pour vous un moindre coût. Et en plus, je vais vous dire, c'est là où ils sont vraiment maîtres en la matière dans le commerce, c'est que eux, ils gagnent plus d'argent que les autres. Ben oui, puisqu'ils ont moins de transferts, moins d'intermédiaires. Ils gagnent encore plus de fric. Et d'un autre côté, eh ben ce fric gagné, il est retranscrit dans la qualité et dans une chose où je vais vous en parler tout de suite, c'est le service après-vente. Alors là, les gars, il va falloir penser à ça dans la vie, c'est le service après-vente. Décathlon, j'ai un problème. Demain, il marche pas, mon bourrin. Vous voyez? Même, vous voyez, il y a un petit côté là, un petit peu ébréché. Ouais, je peux même le ramener, ils vont me le changer. Ils me le changeraient, hein. Maintenant, j'aurai une autre marque. Eh bien, c'est simple, hein. Je vais mettre combien de temps pour me faire changer le truc? Des plombes et des plombes. Qui n'a pas eu de problème du SAV? Vous voulez qu'on en parle? C'est très simple. Maxime, notre ami Maxime, a eu un problème avec son. C'était un flux, ouais. C'était un flux. Il a eu un problème avec un flux. Ça a duré 3 mois. 3 mois de coups de téléphone, de SAV, d'emails, d'échanges, etc. Il a envoyé son flux à Garmin. Ils lui ont renvoyé un mois après, ou 15 jours après, avec un trou, comme une perceuse, poum, dans le bourrin. Lui, il a gueulé, c'est normal. Il leur a dit, c'est pas normal, machin et tout. Et l'entraîneur ne marchait pas. Eh bien, Garmin, il a mis 2 mois à se faire rembourser, enfin, à se faire changer son entraîneur pourri qu'il avait reçu en mauvais état et qui ne marchait pas non plus, puisqu'il a envoyé, il marchait pas, il a reçu, il marchait pas non plus. Donc le travail n'a pas été fait. Il a reçu un neuf par la suite, évidemment, mais au bout de 3 mois de transactions, de nerfs, de perte de temps, etc. Alors que si vous allez, et ça il faut penser au service après-vente, si vous allez chez Decathlon, et moi c'est pour ça que j'ai acheté Decathlon ou Van Driesel, hein, c'est que si demain le bourrin marche pas, je le ramène. Et je suis certain qu'ils vont m'en passer un autre. Je suis sûr que sous 48 heures, ils me disent, vous en avez un autre. Pareil, quand vous avez un problème de SAV, vous allez vous acheter sur un site internet ou quoi que ce soit, ou chez un magasin, ce n'est pas à vous à aller l'envoyer à Garmin ou pour Elite, etc. Non, non, non. C'est au magasin, à votre revendeur, c'est la loi, c'est la législation qu'il veut, qui en prend la responsabilité. C'est lui qui doit faire les démarches pour vous garantir eh bien, la réparation de votre produit. C'est pas à vous à faire toutes ces démarches-là aussi. Alors que là, chez Decathlon, j'ai qu'une démarche à faire. Je prends ma mobylette, je prends ma bagnole, je mets le bourrin dedans, je le ramène, je me casse. 48 heures après, je suis certain, j'ai pas fait l'essai, évidemment. J'ai une solution. Et là, vous allez avoir un vendeur souriant, vous allez avoir une personne physique. On va pas vous raccrocher au téléphone. Et chez eux, chez Decathlon, vous avez bien pu voir, les vendeurs, tout le monde a le sourire. Voilà. Moi, quand je suis allé le chercher, pièce d'identité, à l'instant, je reviens, grand sourire, il a émis sur un chariot, voulez-vous que je vous l'amène à la voiture? Je dis non, quand même pas. Allez hop, voilà, merci monsieur, au revoir. Vous imaginez un petit peu, quand vous achetez sur un site, il n'y a pas de merci, machin, et le jour où vous avez un problème,
C'est même démerde-toi, Jeannette. Donc ça, c'est important, le service après-vente. Parce que même si on croit qu'on achète cher, j'ai même une petite histoire du taxe Néo. Pareil, pour un gars qui vient me voir de temps en temps, je ne donnerai pas le nom, parce qu'il ne me l'a pas autorisé, il a acheté un taxe Néo. 15 jours après, il ne marche pas. Il renvoie son taxe Néo à Garmin. Garmin lui renvoie un autre taxe Néo. Mais vous savez quoi? Un reconditionné. Lui, il avait un taxe Néo dernière génération. Ils lui ont refilé un taxe Néo reconditionné d'ancienne génération. Lui, il a gueulé, il a dit, oh les gars, c'est pas possible. Ils ont dit, ah, en tout cas, ça marche, donc c'est le but. Eh oui, mais comme ils sont pas sous la loi française, puisque c'est des Hollandais, eh bien en fait, ils sont pas obligés de redonner le même produit. C'est abusé, mais c'est vrai, hein. C'est une histoire vraie, hein. Je l'ai vécu, puisque le gars, tous les jours, il discutait, il nous expliquait comment ça marchait. Donc il a demandé un remboursement, parce qu'en plus, celui qui lui ont redonné le taxe Néo reconditionné, il ne marchait pas non plus. Donc il a pris le bouilli. Et de sa belle plume, il leur a demandé un remboursement, il a été remboursé et il a acheté un kicker. Voilà, bon bref, vous voyez. Donc on a quand même pas mal d'exemples sur les SAV, même sur un Elite, un de ma team, où on lui a même envoyé un lien YouTube en lui disant, regarde avec du scotch, ça devrait fonctionner. Je vous garantis que c'est vrai avec du scotch. C'est pas sérieux. Donc tout ça, le SAV, c'est super important de pouvoir se reposer sur un service après-vente, un service sérieux. Et là, Decathlon, vous le savez tous, on ne peut pas dire le contraire. On a un problème, on ramène, on est remboursé ou il y a un échange. Parce que c'est la loi française, c'est comme ça. Donc pour résumer, c'est simple, j'ai reçu cet home trainer, 450 balles. C'est une pure merveille. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester, voir ce que ça vaut. Et vu le bornage que je fais, ben, il va voir un petit peu ce que ça fait de faire. Je vais le faire chauffer demain. Donc demain, je le fais chauffer 6 heures. Demain, on va le tester sur 6 heures en direct sur ma chaîne Twitch, hein, vous connaissez. Donc je donnerai, j'irai faire l'Alpe, je vais m'amuser un petit peu à droite à gauche. Donc demain, mon petit, demain, tu vas avoir droit à ton petit baptême, tu vas avoir droit à tes 6 heures. Je vais un petit peu. On va voir un petit peu ce que tu as dans le bide. Et je pense qu'il en a du bon dans le bide. Et j'essaierai aussi en race, en compétition, voir ce que ça donne, le ressenti, etc. Bon, après voilà, Zwift, c'est du Zwift, vous avez très bien compris que c'est uniquement que pour s'entraîner. Ne prenons pas tout ça au sérieux. En tout cas, je suis très content d'avoir reçu cet home trainer. Je remercie vraiment les gars qui ont bien bossé, qui ont fait ça. Les designers, je les ai un peu pourris il y a quelques temps de ça en disant que c'était peut-être des mecs qui fumaient ou alors je sais pas trop quoi. Mais j'avoue que j'aurais dû fermer ma gueule parce qu'il est vraiment très beau. Franchement, il est super magnifique. Je pensais pas qu'il soit aussi beau. Ben on va voir un petit peu ce qui vaut au niveau. Alors moi, ce que je vais regarder surtout sur un home trainer, bon, demain il va prendre sa petite truc 6 heures, hein, voir un petit peu. Je regarde si c'est. Ouais, ça tient. Il n'y a rien qui est dévissé. Ouais, c'est bien. Donc demain, je vais lui mettre un petit coup dans le derrière durant 6 heures. On va un petit peu voir ce qu'il a dans le bide. Et bah, je vais en faire quand même pas mal. Hein. Si même je fais. Dès que j'ai récupéré mon vélo, je reprends les rouleaux. Mais tous les soirs, je vais peut-être faire une heure avec. Et ce qui sera essentiel pour moi, c'est de savoir exactement. C'est le ressenti. C'est-à-dire, ce que je veux, c'est qu'il ait du ressenti. Je vous donne un exemple. Quand vous avez, admettons, je sais pas moi, un taxe flux, quand vous êtes à 8%, quand vous avez un taxe Néo de la même marque, le 8% n'est pas le même ressenti. C'est-à-dire que le 8% sur le taxe Néo sera plus dur à amener que le 8% sur le flux. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque home trainer ne restitue pas la même sensation sur le dénivelé. Donc je veux voir à quoi lui correspond. Voilà, s'il correspond à un kicker, pardon, là par contre, franchement, je vais sauter en l'air, je vais me dire, c'est pas possible. Après, bon, très certainement, je pense qu'il va être dans une gamme à 700-800 euros. Donc vous voyez, pour 450 balles, vous avez un truc qui va valoir, qui vaut ailleurs 700-800 euros. Donc, et tout ça, c'est de la gestion, c'est du business. Decathlon, Van Riesel, ils savent faire du fric. Mais en plus, ils font du fric eux, ils nous font économiser de l'argent à nous. En fait, c'est ça un vrai commerçant et un bon commerçant. C'est que tout le monde est gagnant. Et c'est ça leur but. C'est que tout le monde soit gagnant. Ils font de l'emploi, parce que là aussi, quand vous achetez là, Van Riesel, à côté de votre magasin, c'est peut-être vos enfants qui ont besoin d'un petit boulot d'étudiant, etc. Donc ils sont là, ils sont à côté, vous payez un salaire. Alors que quand vous achetez ailleurs, vous payez une plateforme de gestion où les mecs ne sont pas forcément bien payés. Alors que chez eux, à Decathlon. Évidemment, ils ne sont pas payés 10 000 euros par mois, vous comprenez bien. Mais j'en ai pas entendu un seul me dire qu'ils n'avaient pas d'avantages. Hein. Ils ont beaucoup d'avantages. Enfin, beaucoup d'avantages. Ils ont des bons avantages.
Et c'est une belle boîte. Ça, c'est clair au niveau salarial, il n'y a rien à dire. Donc là aussi, on participe aussi, nous aussi, à du bonheur autour de nous. Donc tout ça se calcule, vous voyez? Donc si demain, l'essai, il est vraiment hyper concluant, bah écoute, je vais dire un truc, mec, je crois qu'ailleurs, on se fait bien enfler. Ouais. Parce qu'un homme traîneur, je vais vous expliquer, un truc comme ça, vous savez combien ça coûte à la fabrication? D'après vous. D'après mes petits calculs, hein, puisque moi j'ai quelques réseaux, ça coûte aux alentours de 100, 120 €, 130 €. Ouais, je vous jure, hein. Ça vaut pas plus de 150 € de fabriquer un truc comme ça. Eh ouais. Donc on est peut-être pris pour des beignets au chocolat, pour certains, hein, quand ils vendent ça 1 200 balles. Voilà, on pourrait peut-être avoir quelque chose d'un petit peu moins cher, beaucoup moins cher et pratiquement tout aussi performant. Donc tout ça, les gars, il va falloir réfléchir. Vous avez des questions? Alors, qu'est-ce que tu me dis? Un copain qui avait acheté un directo chez Decathlon a mis 2 mois en passant par eux. Ah ouais, ok. Ouais. Alors ça, c'était un élite. C'était un directo. Maintenant, il faut voir tu vois, faut voir avec ça, ce que ça vaut. Voir le service après-vente, voir ce qu'il vaut par rapport à ça. Élite, moi, comme j'en ai vendu des élites, j'avais à peu près un élite sur. J'avais à peu près sur 5 ventes, j'en avais 2 en SAV. À peu près, ouais. À peu près, ouais. Grosso modo, ouais. Attends, à peu près. Oui, c'est ça. Bon, je parle pas de Saris, parce que Saris, c'est 80% de SAV. Je vous jure que c'est vrai, c'est impressionnant. Mais Elite, j'avais beaucoup, 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 beaucoup de SAV. Elite, ça a été le pire des pires en SAV, ouais. Donc c'est pour ça que je déconseille, enfin moi, à tous les gens, je leur déconseille d'acheter Elite, ça c'est clair, quoi. Donc, alors après, ton expérience est intéressante à entendre, hein. Si toi, avec Decathlon, tu as mis 2 mois en passant par eux, ouais, il faut le dire, hein, tu as raison, il faut le dire. Donc, les amis, on a donc un gars là qui nous dit que, et c'est vrai, hein, il raconte pas de bêtises, ça, il n'y a aucun souci, je le crois à 100%, il a ramené un Directo Elite, voilà. Mais alors le problème de Directo Elite, c'est que Decathlon se... Ah, il faut qu'il contacte Elite. Dans le problème, Decathlon a le même problème que nous. Tu vois ce que je veux dire quelque part. Donc voilà, alors, ça peut très bien se passer, comme ça peut aussi ne pas bien se passer, effectivement. Après, toi, t'as eu un bon retour Elite, tu me dis. Et il faut le dire, hein, quand c'est bon. Il t'a récupéré ton entraîneur en 9 jours. Donc c'est bon. Donc tu vois, on peut dire bravo Elite sur ces cas-là. Mais bon, moi d'après ce que j'ai vu, voilà. Mais enfin bon, je suis pas là pour les pourrir non plus, attention. Il hein, n'y a pas de souci. Ça se trouve, ils se sont améliorés, Elite. Hein, attention. Mais bon, dernièrement, j'ai dit à un gars de ma team, il y avait un truc qui déconnait. Il lui a envoyé un lien YouTube en disant mets du scotch ou de la colle. Hein, c'est ça, Maxime? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il y avait un truc comme ça, Maxime. Hey, qu'est-ce qu'il disait? Il disait. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé, Elite, là, à un gars? Sur. Je crois qu'il disait. Tuto YouTube avec roulement à coller. Ah, voilà. Hein, il disait de coller un roulement. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, voilà, après. Voilà. Bon, moi, je vous avoue, les gars, je suis mon rouleau et Elite. Hein, il est derrière, le rouleau. Vous voyez, il est là. Je sais pas si vous le voyez. Il est plié. Rouleau Elite. Maintenant, si Decathlon fait un rouleau. Je prends Van Riesel en rouleau, tu vois. Mais bon, là par contre, j'ai pas à me plaindre, Elite, sur mon rouleau Nero. Je me plains pas du tout. J'en ai un autre, ancienne génération, pareil. Alors par contre, ils se détériorent très vite. Hein. Alors celui-là, bon, les bourrins commencent à faire un petit peu, mais bon, c'est normal. Je borne beaucoup, mais bon, moi j'ai rien. Sur ce modèle-là, Nero Elite, franchement, c'est du nickel là-dessus. Donc ça dépend peut-être aussi des modèles. Voilà. Maintenant, bon. Moi, je vous dis ce que j'en pense. 450 balles, à vous de voir. Bon, si vous n'avez pas de questions, les gars, on a fait le tour. Hein. Vous avez vu un petit peu. Ah, celui de Greg, d'accord, ouais. Donc, voilà, si vous avez des petites questions. Après, voilà, il y a le hub, c'est vrai, le hub de, comment on appelle ça, de Zwift, hein, pas mal, hein, mais pareil, je me dis, le jour où, parce que le jour où tu dois l'envoyer par le colis, il faut aller à la poste, faut l'emballer, faut garder les emballages sous ton lit peut-être, ou je sais pas comment tu te débrouilles. Bon, tu me diras, eux c'est pareil, hein, je pense, hein, il faut garder l'emballage. Voilà. Mais bon, moi j'ai regardé mon budget, 450 balles, et si demain, vraiment c'est super concluant, bon, ça se trouve, c'est une bouse, hein, attention, hein, ça se trouve. Vu quand même le nombre de kilomètres que je fais, j'en fais quand même, je fais 40, entre 35 et 40 heures d'home trainer par semaine. Bon, ça fait 7 ans que je fais ça.
Ouais, peut-être que. Donc j'en ai eu des home trainers. Donc peut-être qu'il va pas du tout être bon, hein. Attention, là c'est peut-être, on le voit comme ça, il a l'air super, nickel, mais peut-être que dans 2 mois il est naze avec moi, je sais pas moi, attention, alors que peut-être avec un élite plus cher, il serait pas naze. Donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une bonne affaire. Ouais, je regarde là les trucs, comment c'est, j'ai l'impression que c'est une bonne affaire. Ouais, bon, on n'a plus qu'à voir demain si ça marche bien, le bourrin, c'est tout. Après, s'il marche pas bien, vous inquiétez pas, je vous le dirai. Comme je vous ai dit, je ne suis pas marié avec eux. Je suis marié avec personne, moi. Et je serai marié avec jamais, jamais, jamais. Net. Alors, la poignée, elle se tord un peu. Elle est en plastique, hein, elle se tord. Elle se tord un peu. Alors, mes petits muscles, j'arrive à la tordre, donc voilà. Mais bon, ça, c'est solide pour. Il est léger, le truc, hein. J'ai pas de force, moi. Hein. J'ai rien dans les bras. Il est léger. Ouais, il est léger. Alors, franchement. Purée. Vous avez vu, je fais faire de la muscu, là. Des bras. Bon, eh bien écoutez, on va arrêter là, c'est bon, hein. Je pense que vous avez vu comment c'était. Bon, je vous donne rendez-vous demain. Demain, je démarre 8h30. Alors attendez, demain, il faut que je lave mon vélo, que je mette la chaîne pour mettre sur ce truc-là où je lave pas le vélo. Ça fait rien, je m'en fous, je m'en fiche, ça me casse les pieds de laver. Mais j'aurais bien voulu mettre un petit coup de Karcher. Donc demain, je démarrerai, je pense, vers 11h. Donc demain, je fais 6h. Ok. Bon, on va l'amener sur 6 heures, hein, on va voir un petit peu ce qu'il vaut, c'est voir s'il chauffe sur 6 heures aussi. Ça se trouve, il chauffe, il va brûler, il va cramer, hein, je sais pas. Hein. Ouais. Mais bon, apparemment, je pense que ça devrait être bon. Après, sur la durée, j'ai un doute, je vous avoue. Sur la durée, je vais avoir un doute quand même. Si je m'amuse à faire 6 heures comme ça, tout le temps avec, je pense que le Kirk est quand même nettement plus solide, je pense. Je regarde un petit peu les matières, vous voyez, je regarde un petit peu ce que. Alors c'est vrai que quand on compare ça avec un Wahoo ou avec un Tax Neo, c'est incomparable, hein, évidemment. Hein. Un Tax Neo, vous voyez quand même que c'est. Ouais, c'est une super qualité, un hein, Tax Neo. Hein. Voilà, il n'y a aucun problème. C'est, je vous dis, c'est la Rolls quand même. Hein. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Mais bon, quand on n'en a pas trop les moyens, voilà, on essaie de trouver des choses intéressantes. Après, je regarde un petit peu les détails, la coque, ouais. Bon. Voilà, c'est du plastoc là, c'est sûr. Mais bon, ça sert à rien de mettre du métal. Je pense que voilà, ça sera. Je pense que c'est jouable. Ouais. Après, je vois pas trop. Ouais, la courroie, elle est quand même assez. Elle est vachement large, cette courroie là. Ouais, vachement large. Hein. Ouais. Ça a pas l'air d'être du mastoc quand même. Vous voyez? J'ai pas l'impression que c'est du mastoc. Quand on voit Elite, où c'est du plastoc aussi. On se dit putain à 700-800 balles des fois les XR2 là j'ai les XR ça me faisait mal un petit peu je me disais purée quand même tu vois mais là 450 balles quoi c'est ce qu'il faut se dire hein. 450 balles voilà quoi faut pas rêver non plus hein. Je regarde s'il n'y a pas de jeu sur les trucs ah ça a pas l'air hein. Il n'y a pas de jeu bon écoutez mais il me tarde de l'essayer demain bon je vous avoue que les fixes c'est pas du tout mon pied depuis que je fais du rouleau bon j'ai voilà. Le rouleau pour moi c'est nettement supérieur en qualité de training, mais voilà, on verra ça. Bon, allez, pas de questions? Ah, si, si, les rouleaux, si, si. Mais non, mais les rouleaux, en fait, c'est très simple. Ce qui s'est passé, c'est que cet après-midi, j'ai cassé mon câble de dérailleur. Et ça tombe bien puisque j'avais ça en même temps. J'ai cassé mon câble de dérailleur, donc je l'ai donné à un gars pour qu'il change. Tu sais, c'est les câbles qu'on passe dans les cadres, là, truc à la noix. Donc, sitôt je retrouve mon vélo, je fais du rouleau. Hein. Voilà, entre les deux, il n'y a pas photo, c'est rouleau. Mais en attendant, je vais faire de celui-ci. Et il faut que je le teste, voir un petit peu ce que ça vaut. Donc, demain, 6h, je vais le tester. Et s'il m'a changé les câbles, demain après-demain, je récupère mon vélo et je recommence les rouleaux dans 2 jours. Seulement avec celui-ci, je vais faire quand même des races. Le week-end, je vais utiliser un petit peu celui-ci aussi. Donc, je vais lui faire faire quelques heures. Celui-ci va avoir droit à des plannings assez larges. C'est-à-dire que je vais faire soit des races, je vais le secouer, quoi. Soit je vais faire des races, voir un petit peu ce qu'il a. Ou soit, je vais lui faire faire 6 heures, tu vois, d'affilée. Je vais pas rouler 2 heures, 3 heures avec. Hein. Je vais faire minimum, allez, 4, 5, 6 heures hein, avec. À chaque fois, ça sera ça, tu vois. Donc, on verra au fur et à mesure du temps. Je vais mettre sur un carnet le nombre d'heures que je vais faire avec, pour bien différencier celui-ci de l'autre. Et puis, on verra le temps qui durera et les premiers problèmes qui pourraient éventuellement y avoir. Parce que, toujours pareil, quand les gars, ils vous vendent un truc comme ça.
Alors, rien n'est écrit, on ne vous donne pas la durée, sa valeur, combien de temps. Une voiture, on dit, tiens, grosso modo, tant on change la courroie, tant ceci. Là, il n'y a rien. Franchement, que ce soit eux ou les autres, il n'y a rien de rien. Bon, ils se mettent dans une niche au niveau du marché, voilà quoi. Mais sinon, ils disent rien. Bon, je vous précise, hein, il n'y a pas de cassette dedans, donc il n'y a surtout pas la cassette. Ne vous attendez pas à ça. Il n'y a pas de clé USB, alors ça, c'est toujours embêtant parce qu'une clé ANT, pardon, une clé ANT, il faut toujours aller en acheter une à droite à gauche. Ah, je suis un petit peu déçu du truc. Il a dû recevoir un coup, le bordel là, dessus là. Ouais. Les stries sont cassées. C'est pas fait, c'est pas naturel ça. Ouais. Il s'est reçu un coup alors qu'il était quand même bien. Ouais. C'est le gars qui l'a mis, qui a dû faire un coup, parce que il y avait un carton dessus, donc c'est pas le carton. Il était protégé, bien protégé. C'est à l'emballage qu'ils ont cassé. Il s'en est pas rendu compte. Le gars, bon, c'est un Chinois, il est payé à la fronde. Le mec, il a dû avoir peur de se faire pendre, parce que là-bas, ils doivent pas déconner, à mon avis. Bon, mais voilà. Bon, mais on verra la bête demain. Ça marche, les gars? Allez. Bon, allez, demain, on va voir ça. Ça marche, les gars? Bon, merci pour tout. Et on verra ce que ça vaut. C'est bien, si vous avez des bons contacts sur d'autres marques, faut le dire aussi, parce que c'est important de le dire. Hein. Ouais, c'est important de dire qu'ils sont bons, quoi. Bon, demain 6h, ben, vous viendrez me voir, je vous dirai. Bon, demain je vais faire du dénivelé avec. Et je vais faire l'Alpe demain. On va voir un petit peu ce que ça vaut sur l'Alpe. Pour avoir un bon home trainer, ce qui est le plus important chez un home trainer, c'est pour ça que le Tax Neo est excellent. Évidemment, il est excellent. Y a rien à dire. Pour moi, c'est le meilleur des meilleurs, le Tax Neo, c'est vrai. Au niveau ressenti, il n'y a pas mieux, quoi. C'est le ressenti dans un home trainer. Et évidemment, le Tax Neo, l'avantage, il est au-dessus quand même que le kicker en sensation. Forcément, quand vous allez prendre, si vous prenez l'Alpe avec le Tax Neo, c'est pas la même chose que si quand je vais le prendre avec ça. Ça va pas être le même engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Les pourcentages ne vont pas être ressentis pareil. C'est pas pareil. Même s'il faut faire les watts, il faut toujours les faire. Mais c'est plus facile de faire des watts sur du 2% que de faire des watts sur du 10%. Vous voyez, le prolongement de l'effort, il est plus difficile sur 10%, faire 300 watts, admettons. Vous faites plus facilement 300 watts sur du 3% pendant une minute que du 300 watts sur 10% parce qu'il y a l'apesanteur. Enfin, non, c'est pas des conneries. Il y a l'apesanteur, il y a votre poids du corps qui est attiré. Il y a plein de choses. Il y a des éléments extérieurs et naturels qui fait que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, évidemment, le néo, évidemment, c'est pas du tout. Donc, je vais surtout, moi, aller travailler et voir la qualité du produit sur ça. C'est pour ça que vous avez le Tax Flux, Maxime. Le Tax Flux, tu as bien vu que quand je t'ai envoyé le kicker. T'as bien vu le changement de pédalage. Je sais pas que tu vas faire moins de watts ou plus de watts, mais c'est le ressenti qui se rapproche de la réalité. Voilà. Et c'est le but d'un engin. Et maintenant, bon, si lui, pour 450 balles, on se rapproche moi, si admettons avec un truc comme ça, on se rapproche d'un XRT, là, ça serait pas mal, quoi. Après, si on est proche d'un kicker, oh, je dis kicker à chaque fois, je me plante. Moi j'ai beaucoup eu de kickers, hein. Le kicker c'est celui qui a fait le plus de kilomètres et d'heures. Si réellement on se rapproche de ça, là j'ai un problème quand même. Parce que il n'y aurait que le Tax Neo qui serait au-dessus de tous. Et les autres après ils se valent tous. Vous voyez? On aurait d'un côté des home trainers qui se valent plus ou moins. Donc vaut mieux prendre ça à 450 ou 600 balles si vous avez 2000 boîtes à donner. Et après vous auriez le Tax Neo, où lui c'est le top du top. Là, il est vraiment près de la réalité, d'autant plus que quand même vous passez sur Zwift, sur des graviers ou quoi que ce soit, vous avez le ressenti au niveau des guiboles. On n'aurait que deux choix possibles. Et alors à ce moment-là, ben voilà quoi. Voyez? C'est ça que j'essaie moi de décanter pour donner mon fric à des choses essentielles. Pas donner mon fric à des choses non essentielles. Après, toutes les marques sont bonnes. Alors je vous le dis franchement, la seule marque où vraiment. Là, je la déconseille à 100%, c'est Saris. Voilà, c'est la seule marque. Les autres, bon, ça va, les autres, on arrive à toujours avoir quelque chose. Mais la marque Saris, c'est un mystère. J'ai donné 10 Saris à des gens. 8 ont eu des problèmes. Les 8 ont eu pratiquement quasiment les mêmes problèmes. Parmi les 8, il y en a 3-4, en me comptant peut-être 4, oui, ont écrit. Envoyer des emails à Saris pour avoir une solution, patati. Personne n'a reçu de réponse. Personne.
sur les Facebook, j'ai envoyé sur les Messenger, en privé, je n'ai jamais, jamais, jamais eu une seule réponse de Saris. Bon, c'est peut-être du bon matériel, je n'en doute pas. Mais bon, 80% de SAV, j'aimerais bien savoir s'il n'y a pas une autre solution que de ne pas répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas là pour leur cracher dessus, mais quand même. Donc, bilan, Van Riesel, les gars. Eh bien, ça sera les mots de la fin. Franchement, je suis assez étonné pour 450 balles. Maintenant, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Ok? Allez, je vous dis à demain, les gars. On fait ça comme ça. Il faut être en forme demain. À 6h du soir ou du matin? Ah non, non, mais oh, c'est pas 6h du matin que je fais du vélo, moi. Je vais faire 6h. Pas 6h du soir. Et non, non. Je vais commencer, en fait. Je vais commencer soit à 10h demain matin, ou soit à 11h. Ok? Voilà, on passera le repas du midi ensemble, si tu veux. On discutera. Donc, voilà, demain, on se tape 6h. Au moins 5h, c'est clair. Voilà, au moins 5h, suivant la forme, etc. Parce que bon, s'il est peut-être dur ou emmené ou il me casse les couilles, vous voyez ce que je veux dire, hein, ça se trouve, il va me gonfler, là, hein, il va pas être du tout à la hauteur de mes attentes, mais ça, j'y crois pas, je suis certain. Bon, de toute façon, il ne peut pas être pire que ceux que j'ai déjà eu en Suito, en machin, enfin bref, en entrée de gamme. Hein. Donc voilà, donc il me conviendra forcément, il n'y a aucun problème là-dessus. Non, ce que je veux voir, c'est le ressenti. Et vous dire à peu près sur quel modèle. On peut le comparer définitivement, voilà, pour ne pas raconter n'importe quoi. À première vue, par rapport au prix, voilà, on peut dire ceci, cela. Mais ça se trouve, ceux qui sont à 800 valent vraiment 800. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut analyser le truc. Voilà, on peut pas s'arrêter ça. On peut pas arrêter comme ça. Ok? Bon allez, je prends ma tablette. Hop. Et puis je vous dis à demain, les gars. On fait comme ça? Ça marche? Demain, demain. Ah, Locutus. Ah, Locutus. Très bien, Locutus. Très sympathique, il fait comme moi, il met les grands. Si, il met les. Comment on appelle ça? Il se met en grand champ pour mieux voir l'image sur Zwift. Ok. Bon, on fait comme ça, les gars. Ça marche. Ok. Et eh ben voilà. Donc, vous l'avez vu. Et vous le verrez demain. Allez, je vous dis à demain, les gars. On fait un petit raid là. Je vous envoie quelque part. Ben, Locutus, il m'envoie du monde. Et puis après. Momoui, Momoui. Non mais après Van Riesel, on peut pas avoir de surprise, de mauvaise surprise. Hein. J'y crois pas. Franchement, j'y crois pas du tout. Je peux pas croire qu'il y ait de mauvaise surprise. C'est pas possible. Ah, il y a Gaëtan qui stream. Ouais. Allez, il y a Gaëtan qui stream, les gars. Je vous envoie sur Gaëtan. Allez, ça marche. Et merci. Vous n'avez pas plus de questions que ça? Il n'y a pas de questions. Je regarde s'il n'y a pas des questions en amont, en aval. Je vais descendre un petit peu. On sait jamais si j'en ai loupé. Chouchou, oui. C'est un code entre nous. Chouchou, oui. C'est un code entre nous. Roulement, voilà. Donc, Elite, il a récupéré en 9 jours. Donc, très bien. Faut le dire. Faut dire quand c'est bien. Donc, super. Il est pas si moche, l'engin. Ouais, il est pas si moche. Ouais, il est vraiment pas si moche. Et ça n'a pas l'air d'être dégueu, quoi, les gars. Donc, voilà. Ok. Allez, je vous envoie là-bas, les gars. Ça marche. Un raid. Allez, on est parti, le raid. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Oula. J'ai un truc. J'ai un truc. Allez. Bon, ben, ceux qui sont arrivés, eh ben, on va repartir. Hein. Bon, demain, là-dessus, hein, les gars. On va voir ce que ça donne. Ok. Je lance un raid. Allez. On a Gaëtan. Allez, chez Gaëtan, je vous envoie chez Gaëtan. Gaëtan, encouragez-le, il est malade. Il est malade, Gaëtan. Il a pété une durite, il est malade. Il a un problème physique. Bon, apparemment, ça serait pas grave, mais voilà quoi. Il a un problème. Pour ne pas faire de vélo, c'est qu'il a un problème, le pauvre gars. Ça marche. Allez. Allez, on se fait un petit truc. Comme ça, début.